Un dé à quoi c'est deux. N'a pas salué tout participant dans le gros événement ça. Présentation plan égalité entre femmes et garçons des mouvements en avant. N'a pas salué présence la presse. N'a pas salué présence tout représentant mouvement non seulement dans tout pays ya, mais dans diaspora yo présent soit physiquement yo derrière moi là ou bien yo présent à travers Zoom parce que événement ça son événement mondial côté que nous connecter avec tout militant toutes amis tout allié tout coordonnateur branche extérieure mouvement en avant pour nous discuter sur qui ça nous va faire ensemble pour une bataille pour égalité entre femmes et garçons dans le pays d'Haïti. Comme coordonnateur national mouvement en avant, sans qu'aucune chaîne plaisir pour moi lancer journée travail réflexion échange ça que n'a présenté par tout membre nous yo que vous pral critiquer, vous pral débattre, vous pral bay commentaire de telle sorte que ça pral sorti journée aujourd'hui. C'est bib mouvement en avant. Dans la bataille que nous pouvons mener pour les femmes dans l'année qui va venir. Frère Maxime, tout leader femme qui est avec moi aujourd'hui, qui fait choix à militer dans l'avant, m'a dit nous compliments. M'a commencé l'intervention aujourd'hui avec une phrase d'un poète Alfred de Vigny, un poète qui a fonctionné au 19e siècle. Qui ça te dit? Lè la gade, li dit, après m fin étudier condition femme dans le monde, lè m kwaza en femme dans la rue, premier sa m envie dil, c'est pardon au lieu de bonjour. M envie dil bonjour, même pas capable dil. Au lieu de me dire bonjour, je me demande le pardon. Pour qui ça? Parce que depuis le temps, il y a des tribulations de femmes dans le monde. Eh bien, ça, Alfred de Vigny a partagé avec nous dans le 19e siècle. Son réalité que femmes dans le pays d'Haïti vivent, journée et jour, encore. En fait, les gens qui ont attiré l'attention sur phrase ça, son député 50e législatif qui servait à eux, qui est le Guéda Benjamin. Nous tous dans la presse qui là, nous connaissons que sous 119 députés, il y a seulement 3 femmes. Mais femmes, ça a Guéda Benjamin, qui pas qu'on aime parler de lui matin. Hein? Ça que fait moi commencer avec exemple ça, c'est parce que dans le pays, il y a des millions de Guéda Benjamin. En pile dans nous là, c'est des Guéda Benjamin qui sont venus. Qui ça me veut dire? Une femme qui levait en province, dans un milieu tellement pauvre, maman, tu es en machine à cra, marinade, 5 timoun, ce n'est pas chaque jour, il faut dire mon table. Et bien, tu as une pile jeune femme qui levait dans le pays, qui était levée dans la misère. Pour l'école, c'est ton problème. Famille haïtienne, souvent, c'est petit garçon. Yo d'accord, quitte à l'école. Si mesdames, yo ti fiyo, yo là pour faire ménage. Yo là pour faire manger. Yo là pour aller dans marché. Yo là pour aller faire lessive. T'as quoi pile femme dans le pays d'Haïti? Li levé dans une situation côté que. Il était plus difficile pour lui pour aller à l'école que petit garçon parce que parents yo un petit cob qui entré là yo plus vite voyer garçon à l'école et là aussi voyer petit fille à l'école yo pas quitter là prendre n'importe qui métier gain métier pour garçon gain métier pour fille et même pendant l'école là la passer tribulation la passer trahison.
Ça veut dire qu'ils font vieille blague sur lui parce qu'ils sont filles. Ils font abus sur lui parce qu'ils sont filles. Peut-être même mieux quitter Chita derrière classe là parce qu'ils sont filles. Toute tribulation ça y est, cette tribulation jeune fille qui levait dans le pays d'Haïti. Tout ça y est, c'est injustice. Et tout ça y est, c'est ça qui révolte nous en avant. Qui fait que nous dit que parmi trois secteurs n'a pas priorité pour nous courir dans la bataille que nous allons mener dans l'année qui vient. Il y a des femmes, il y a des jeunesse là et des diaspora. Ça va vous dire que nous pas intéressés par tout haïtien la ronde badé, chauffeur moto, chauffeur taxi, paysan, fonctionnaire l'état, professeur, moniteur, artiste, footballeur, journaliste, caméraman, toute qualité profession intéressé nous. Cependant nous avons trois secteurs que nous jugeons qui prioritaires, c'est jeunesse là parce qu'elle peut plus, parce que nous mêmes nous avons un mouvement qui a pour des changements. Et là, pour les changements, vous avez besoin de fougue jeunesse là. Vous avez besoin de dynamisme jeunesse là. Vous avez besoin de capacité jeunesse là. Vous avez besoin de jeunesse qui jambe. Nous dit femme, parce que pour toute raison, nous disons là, vous avez une justice que vous faites femme, que nous-mêmes, nous gagnons pour nous corriger. Et puis, bien entendu, nous parler de zami nous, dans la diaspora, parce que nous ne considérons pas deux catégories haïtiennes. Nous considérons une seule catégorie haïtienne, sauf que nous avons vivre Port-au-Prince. L'asile, Léogane, Grand Gouave, Lagonave, Tigouave, Marouge, Fort Liberté, Cap-Haïtien, Okoto, Port-Salut, Kay, Jacmel, Marigot, tout côté ça yo. Gen haïtien kap viv, yo pas différent des haïtien kap viv dans Chili, en Argentine, au Mexique, à Paris, en Angleterre, au Connecticut, Miami, Boston, Bahamas, Barbade, Texan Kekos et la trier. Nous même haïtien nous tout côté, mais pas aucune différence entre ça qu'a vivre l'autre bord de l'eau et ça qu'a vivre en Haïti. Cependant, on a dit que nous souhaitons et n'a parlé directement avec Potomitan qu'aucune chaîne femme ça, leader femme ça qui des dom là qui fait choix militer non en avant pour ton changement. N'a dit yo pas découragé. N'a dit yo situation difficile dans pays a. Rizdael Kléber du Versin. Nèg Verrette qui pas fait du mal estimé honte saut dit tout à l'heure là. Faut que nous oser. Faut que nous pas peur. Faut que nous avancer. Et nan sim da souhaiter que nous parler pendant retraite ça que n'a fait journée jodi à dans hôtel Marriott dans mitan Port-au-Prince dans mitan capitale là pas seulement parler de bataille que nous allons mener en partie pour femme jeune espace mais parler tout de bataille que nous allons mener l'en prend pouvoir parce que mouvement en avant son mouvement politique qui a ambition pour le prendre pouvoir pas par les armes par les élections libres honnêtes transparentes et démocratiques les a bien conditions pour élection ça veut dire les sécurité blaï les bon gouvernement qui inspire confiance, les bon CEP impartial. Nous souhaitons ainsi pour nous parler de bataille que nous avons menée pour famille. Nous avons 20 batailles que nous avons menées dans le mouvement en avant. Nous tous connaissons, nous ne pouvons pas répéter là. Une là-dedans, c'est la bataille pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Là, nous prenons pouvoir. Le ministère des conditions féminines a rempli un rôle important. Pour qui ça? En pile fois, nous toujours dit comment pour nous changer Haïti. Qui ça pour nous faire? Côté pour nous commencer. Mais il y a des fois, tout bagarre est déjà là. Conditions sont déjà réunies. Loi est déjà votée. Ministère fonctionnel. Loi organique est sous pied. C'est simplement volonté politique au plus haut niveau pour bagarre faire comme ça doit. Un D à quoi c'est deux. Maintenant, après voyage, nous sommes faits dans le pays nigérian. Nous avons été important pour ne pas faire ici un petit bilan de voyage là.
Malheureusement, voyage a fini à un incident diplomatique, une incidence stratégique géopolitique, une incidence culturelle, une incidence économique, une incidence politique, une incidence psychologie et en même temps juridico-politique. Pour quand tu es gros monde États-Unis qui peut aller dans le continent africain hein? Qui gagne l'argent? Il va jamais demander ça à le faire dans le pays les États-Unis. On va pas comprendre nous-mêmes. Une sorte visite ton pays. Côté origine nous, côté racine nous, chita, pour faire gaffe ensemble avec nous. Je viens là, je ne suis pas de temps pour me dire ce qui s'est passé. Je suis dans le pays Nigeria, nous réunissons avec plusieurs entités. Nous visitons le Parlement, particulièrement le Sénat républicain. Nous chita avec président ou bien parlementaire qui dans bloc majoritaire bloc cap supporter pouvoir place là nous chita tout avec bloc qui dans opposition bloc minoritaire nan loin tout wa Emmanuel et nous sorti Abuja nous aller nan état qui relé Enugu. Et nous avons, c'est l'équipe bastion, c'est l'équipe capitale. Tout Ibo. Et ma bien formé paysan, gouvernement, et nous avons, par rapport à l'importance, nous avons battu pour question intégration noyau dans le monde. Nous avons changé nos noms, et même pas nos noms, et nous bout qui pour montrer. Comment on solidaire, comment on d'accord avec bataille à mener. Et le gouvernement ça a ban nous mandat pour nous chercher tout les boyo qui à travers le monde là. C'est ça qu'ils ont déclaré. Nous sommes arrivés dans le pays Nigeria, autorité, surtout dans l'État et nous avons, c'est avec enthousiasme. Même gouvernement est venu recevoir nous dans l'aéroport. Et parlement tout. C'est avec enthousiasme que vous recevez nous. Qui donc, c'est une mission accomplie, et pas pour moi, Jean-Charles, mais c'est pour Haïti. Je dis, sans pas comprendre, il faut payer en connaissance. Depuis que je suis allé dans le pays Nigeria, il y a un problème. Qui problème? Le reste qui est avec nous, c'est nous-mêmes. Il y a un document pour nous. Et c'est même document qui est avec nous. Comment faire Qatar Airways qui te monte à monter avion hein? Moi même qui j'ai même document avec yo, yo fin checker pour moi après dit non, on pas ka voyager. C'est déjà une première attaque. C'est parce que j'ai connexion pour me prendre l'autre avion pour me arriver dans pays Nigeria. Là m'a tourné sorti dans pays Nigeria. Peuple haïtien. Mon gon visa. On pas passer à côté. On passer aux États-Unis. Je transite, sorti cap haïtien, pour entrer dans le pays Nigeria. Sorti dans le pays Nigeria, je suis arrivé aux États-Unis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut pas comprendre bien, oui. Et pas moi, je chale, non. Imaginez-vous, vous avez un problème avec le passeport. Passez-moi en transit. Vous commencez à poser une question. Vous allez chercher l'autre monde qui est avec vous. Yo fin dans des mounyo, yo fè yo aller. Moi même, yo fè me quitter sale côté t'a parler avec non. Yo mené mon chambre froide côté à poser une question m'a tremblé en bas Freddy. OK. Gien haïtien parmi yo qui c'est un agent immigration. OK. Là qui m'a tremblé. C'est haïtien qui pia au grand. Gien qui ben qui parle avec midi. Le n'a pas qu'à supporter, il a déplacé avec. Il a déplacé avec.
Quand elle dit, il va le faire deal avec. Parce qu'elle dit, les États-Unis, même si on monte tient monde, mais dès pour collaborer avec la justice américaine, même si tu as une peine, il va réduire la peine pour vous. Elle dit, si je collabore, gagner sanction ta balle contre moi, il va prendre. Et elle dit, yo pour les sanctions pour le point contre moi. Mais si me dit qui ça me t'a dit avec Maduro dans mois novembre 2021, pas de problème. Si me dit qui ça me t'a dit que africain yo, pas de problème. Mais si me pas veut dire, il y a 4 sanctions pour contre moi. Première sanction, il y a déporté. Deuxième sanction, il y a coupé visa. Troisième sanction, il y a le point. On décision pendant 5 ans pour ne pas traverser aux États-Unis. Quatrième section, il a poussé en prison. Mais si je parle samedi avec Maduro, si je parle samedi avec Africain, je suis libéré. Pour dire nous, nous sommes petites Dessalines, nous faisons choix. Nous faisons choix. Je fais choix, prison. Je fais choix, couper visa. Je fais choix, pour essayer de déporter nous, j'en dis là, me fait choix pour humilier nous. Pour qui ça? Bon, ancêtres, nous sommes d'accord pour mourir pour Haïti. Et puis moi-même, pour une humiliation, ça, pour me faire ça. Je ne peux pas faire ça. Eh bien, là, on sort de la chambre de la veine, il y a le campé devant la porte, côté pour le fourré dans la prison. Mes amis, bon, américain, yo. Il n'y a pas là avec Satan, tout le monde n'a pas demandé ça. Moi, je ne suis pas là avec l'Éternel. Puis, moi, je ne suis pas là avec l'Éternel. Et puis, on arrive. En premier lieu, gouvernement, État et nous, qui t'invitent, ils ont été réagi. Même toi qui m'a envoyé. Pour leur dire, c'est eux-mêmes qui t'invitent. Et mais à qui nous t'a rencontré. Deuxièmement, pour leur dire, mais qui parcourt tes bons moyens. Pour yon dit, mais qui activité nous te fait. Et pour yon condamné à les États-Unis. Point. Les États-Unis, c'est pas par démocratie. Mais, l'on prend un matériel. Ou on te pour me faire la bouche pour me bavler. Ou qui est même. Ou bloquer pied. Ou ouvrir bouche moi. Ou fou matériel là dans bouche moi en de volonté. Est-ce que ça c'est droit moun? Pour qui ça tout leader qui parle avec Maduro yo pas jamais demandé yo qui s'est dit avec Maduro? Pour qui ça Venezuela t'a invité Jimmy Carter venir observer l'élection aux États-Unis? Hein? Est-ce que ce monde est raciste qui est là aujourd'hui? Pour qui ça Amazon tout le monde qui est l'argent yo à le continent africain y a le visiter? Il a regardé comment on est capable d'investir dans le continent africain. Et puis nous-mêmes, Haïti son zèle de l'Afrique qui nous met en Amérique. Nous avons cherché la racine. Nous avons cherché comment nous avons développé les relations avec le pays. Je ne sais pas si ça va frustrer les États-Unis. Maintenant, je vais annoncer le pays, diaspora surtout. Qu'en pensez-vous avec nous? Parce que nous allons mobiliser. Nous avons commencé à faire ça. Il y a une batterie d'avocats. Et bien, pour qu'ils soient visa, non? Parce que moi-même, ils atteignent 10 thèmes. Et pas seulement 10 thèmes. 10 thèmes, les Haïtiens. Et 10 thèmes, tout le peuple noir. Parce que ça qui passe là. Est-ce que vous avez l'argent dans la valise? Non. Est-ce que vous avez une interdiction pour vous parler dans le pays Nigeria? Non. Est-ce que vous avez une série d'éléments, c'est des produits dans la mallette? Qui ont interdit d'entrer aux États-Unis? Non! Mais mon petit café, je ne vais pas voyager avec elle. Parce que je connais bien comment technique dans rien pour ne pas piéger. Qui ça qui mal? Nous voulons nous faire pour faire tout le bagage. Dans ce sens, il faut chercher défendre des thèmes. Et ça fait nous mobiliser en bâtiment d'avocats pour nous capables. Tenez les États-Unis devant la justice. Attendez à quoi c'est deux.
Haïti fait face à une série de menaces naturelles, tant que là, je regarde là, une série de aléas de menaces naturelles qui est capable de frapper le pays chaque année. Donc, l'école a frappé par menaces ça autour. Donc, nous sommes obligés de tenir compte de toutes menaces, à savoir cyclone, inondation, érosion, mouvement de terrain, séisme, tsunami et sécheresse. Ça fait 7 aléas ou menaces naturelles et la commission doit pencher sur eux-mêmes parce qu'il a impacté Haïti et a impacté l'école. Mais compte tenu de l'urgence en matière de séisme, nous avons focalisé la présentation justement sur le phénomène sismique. Et ma faut un petit rappel pour nous bien comprendre qui ça nous relève risque sismique. Risque, c'est combinaison de menaces là, c'est probabilité pour que un tremblement de terre qui arrive et on le et qui est capable d'impacter nous. Et deuxièmement, c'est un jeu. Et en ce qui nous concerne, un jeu à ça, c'est la communauté éducative. C'est l'école, c'est Timoun qui est dans l'école, c'est parents Timoun, donc tout ça, c'est un jeu. Maintenant, quel degré de vulnérabilité en jeu ça? Nous dit que vulnérabilité est très élevée. Et lorsqu'on combine deux éléments, ça y est, aléa plus enjeu, c'est le même qu'à Baou, risque. Risque, faut gérer. Et c'est là que nous mal gérer risque, ou venir une catastrophe. Donc, commission, il y a pour faire face à la catastrophe, et nous avons souhaité que pas une catastrophe, parce que nous prenons le travail pour nous atteindre l'objectif. Haïti, c'est un pays qui est menacé sismiquement. Ça veut dire que toute presqu'île du Sud-là, est très actif sismiquement. Et ensuite, on regarde le Grand Nord avec les départements du Nord-Ouest, du Nord et du Nord-Est, toute partie ça est en rouge. Donc tout ça, c'est des zones à risque. Et en même temps, on regarde Antibonite avec le centre qui, moyenne, mais ça veut dire que le risque est nul. Donc mes situations de pays d'Haïti, toute presqu'île du Sud-là traversée par une série de failles, failles majeures, c'est lui-même qui sortit Pétionville, Caljus, Tiburon. Et nous mettons en évidence une série de failles secondaires qui sont tout aussi dangereuses que failles principales. Paraît-il que le 14 août 2021, de magnitude 7.2, eh bien, le tremblement de terre a provoqué une sorte de chamboulement dans la presqu'île du Sud-là à cause de toute faille ça. Donc, il y a des failles qui ont dormi, qui ne sont pas actives. Failles ça a réveillé à partir de séisme le 14 août. Là. Donc, il y a des tremblements de terre qui sont capables de baïkounir. Même cartographie, ça a fait dans le nord, qui montrait que, en plus de failles septentrionales qui passaient dans la mer, mais avec failles nord d'Hispaniola, mais on sait que de failles secondaires qui contournaient toute presqu'île nord-ouest là, et que nous ne connaissons pas. Et nous voyons qu'en octobre 2018, il y a un tremblement de terre qui était fait tout près de la tortue, donc qui était bâillé des dégâts. Donc ça, c'est menace sismique à partir de failles. Donc, du point de vue sismique, Haïti est très menacé par les failles, qui sont des failles actives, qui ont accumulé l'énergie, et le tremblement de terre, c'est sous failles, ça a été opéré. Maintenant, à chaque fois que le tremblement de terre majeur qui arrivait, il y a des dégâts importants, parce que nous sommes très vulnérables. Donc, nous allons vers la catastrophe. Donc, ça, c'est des dégâts qui fait le 12 janvier, et le dégât, ça a eu. Il y a une qui est plus importante pour nous-mêmes, c'est la communauté éducative. Là. Donc, si vous regardez la liste des dégâts, après 12 janvier, il y a 1300 écoles qui étaient affectées par le tremblement de terre 12 janvier. Et ensuite, le 14 août 2021, dégâts encore considérables. Et dans la liste des dégâts, nous avons que pour la communauté éducative, là, eh bien, à la suite de tremblement de terre, il y a 171 écoles qui étaient détruites, ce qui représente 16% du parc scolaire et 60% endommagé. Ce n'est pas seulement presque du Sud-là qui est menacé, mais pendant l'année, on ne paquette l'autre côté encore, cap libérer énergie, donc il y a une possibilité pour que nous ayons un tremblement de terre de tous côtés. Le 24 janvier, eh bien, nous enregistrons près de 40 tremblements de terre de magnitude comprise entre 1.4 et 5.5. 5.5, là, c'est le plus gros tremblement de terre. Il est situé à 3 km dans sa voie. Maintenant, côté que le tremblement de terre est situé, la question que nous avons posée, nous, est-ce que c'est une réplique du 14 août? Mais pas oublier qu'on dit que le 14 août, il pourra activer une série de failles qui t'ont dormi et le tremblement de terre pourra le faire sous faille. Et nous arrivons à la conclusion que le 24 janvier, le tremblement de terre de 5.5 qui est dans la zone en Savoie, eh bien, c'est un nouveau tremblement de terre qui fait son faille que nous ne connaissons pas, qui est tout près en Savoie.
ce n'est pas tellement une réplique de 14 août là que l'est. C'est au nouveau tremblement de terre qui fête le 24 janvier. Et nouveau tremblement de terre, ça, il peut provoquer lui-même réplique pâle. Donc, tu es après le secouer sérieusement l'ANIP, Grandance et Sud, surtout l'ANIP, c'est parce que le 24 janvier, avec une magnitude de 5,5, qui était assez fort, il va provoquer propre réplique pâle. Donc, nous parlons de deux séries de répliques. Réplique 14 août, là, qui a continué, et réplique tout fraîche à partir du 24 janvier, tout tremblementaire, d'ailleurs, sous 4 ça. Et le 24 janvier, l'ANIP seulement, sous 40 tremblementaires, nous avons enregistré 36. Et puis, trois en Grandance, une en Sud. Le lendemain, 25 janvier, réplique a continué. Nous avons enregistré 32 tremblements de terre, de magnitude comprise entre 1,3 et 4,8. Et le NIP seulement était 27. Ça veut dire que réplique 5,5 a commencé, donc terre a tremblé. Et le 26 janvier, nous recevons 24 tremblements de terre, de magnitude comprise entre 1,1 et 4,8. Le NIP seulement nous déprend 19. Donc, sous fond total, pendant 3 jours, 24, 25, 26, nous avons à peu près 90 tremblements de terre qui fêtent la zone NIP seulement. Donc, c'est autant de petits secousses qui ont affecté nous parce que, justement, nous avons 5,5 et 5,5, là, bah, toute réplique ça. Donc, 90. Là, NIP seulement, nous avons 82 tremblements de terre, ce qui représente à peu près 85%. Donc, c'est ça qui explique que toutes ces secousses ont enregistré. Maintenant, la communauté éducative a pratiquement été touché par ces journées. Et d'après le rapport Protection civile de l'ANIP, qui dit qu'à Ansavo, le 24 janvier, il y a un décès, Petite Rivière, pas un décès, Fondenègue, un décès, donc au total, deux décès le 24 janvier. Blessé, 52, maison détruite, 191, maison endommagée, 591, ce qui fait que, bon, on a une famille sinistrée, 574. Donc, si nous lisons ça dit en bas, les secousses ont provoqué l'arrêt des cours. Donc là, nous avons l'éducation. Toute l'école laguée dans le département. Les élèves ont été traumatisés. 21 ont été admis à l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane, dont 7 inconscients, 3 en crise, poussant des cris, 11 sous perfusion intraveineuse, du sérum. L'hôpital Jules Fleury de Lansavo a accueilli plusieurs élèves choqués et traumatisés. Les enseignements ont eu des chocs psychologiques post-séisme. Donc ça a ses conséquences aux magnitudes de 5,6. Or 5,6 là, ce n'est pas un tremblement de terre majeur que lié. Donc 5,6 là, pas dû provoquer autant de dégâts. Ça fait parce que la communauté éducative est très vulnérable. Donc, World Commission, ça, c'est aborder justement le problème de vulnérabilité communauté éducative là, par l'éducation, l'information préventive et ceci dans toutes les écoles, dans les 10 départements géographiques. Donc, passer dans l'école, yo, bail, formation, éducation, sensibilisation, montrer qui vient pour évacuer l'école. Yo. Donc, il y a tout un programme pour nous mettre sur pied, non seulement pour élèves, yo, mais pour professeurs. Yo. Donc, il faut que nous formions les professeurs. Yo. Ça, c'est activité qui était faite dans le passé, côté que nous avons fait des séances pour les professeurs. Donc, il a pour apprendre, et c'est professeur Sayo qui a bâti Timonio, éducation qui a besoin. D'après chiffres officiels du ministère de l'Éducation nationale, environ 15% des 19 500 écoles maternelles, primaires et secondaires sont des écoles publiques. 15%. Donc, nous avons à peu près 20 000 écoles en Haïti. Donc, 15% c'est écoles publiques que vous avez. Donc, reste là, c'est l'école privée. On ne va pas avoir trop d'informations sur l'école privée. Ensuite, sous base d'informations sérieuses, il est probable que de nombreux bâtiments dans lesquels opèrent des écoles privées sont vulnérables au séisme. Pour qu'ils aient que les peur, c'est parce que le bâtiment de l'école est tombé sur eux-mêmes. Donc, la commission là tout pour veiller les yeux sur le type de bâtiment qui a accueilli les gens. Donc, nous pouvons prendre le problème de manière très large. Ce n'est pas seulement éducation, sensibilisation qu'a fait, évacuation, mais au niveau bâtiment, tout, qui a accueilli Timonio, nous allons voyager sur eux avec génie scolaire là, pour nous voir qui sont capables d'appliquer normes. Un D à quoi c'est deux.
Mais qui Jean pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez canal 11 Haïti 424, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez ti cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouveaux vidéos n'a posté sur channel là.